Est-ce que vous êtes content? Ouais. Bonsoir, je m'appelle Cédric Finance, je suis développeur Java chez SWAT depuis à peu près 7 ans. Et ce soir, je vais vous parler domotique, et plus particulièrement la consommation électrique. Donc, cette présentation aurait pu s'appeler « Apprendre en s'amusant avec son compteur électrique ». Donc, à force d'assister à des présentations sur la domotique, j'ai eu envie, moi aussi, de faire ça. Et j'ai commencé à en parler, à regarder. Dès que j'avais quelque chose de montrable, je montrais ça à des amis, à des collègues. Et rapidement, ils m'ont demandé « Mais pourquoi ?» Donc, c'est vrai qu'au début, c'était surtout pour m'amuser. Pour jouer un petit peu avec Docker, MongoDB, Node.js, avec mon Raspberry Pi. Ensuite, voilà. Donc, je pouvais le faire. Donc, pourquoi ne pas le faire? Et la troisième raison, c'est que on reçoit une fois par an l'incapitulatif d'EDF qui nous dit, voilà, maintenant, vous devez nous donner ça. Donc, on a la surprise, soit on a payé plus, enfin, soit on a consommé plus et donc on doit payer plus, et du coup, on n'est pas content. On a moins consommé, et là, du coup, on doit payer moins l'année prochaine, et là, on est vraiment content. Voilà. Donc, c'était aussi pour rendre un peu tangible la facture d'électricité, parce que l'électricité, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. On peut regarder les valeurs qu'il y a sur le compteur électrique, mais d'un jour à l'autre, on oublie, on note pas, enfin, on ne sait pas trop si on consomme beaucoup ou pas. Si on laisse un robinet d'eau ouvert, on va entendre l'eau couler, on va la voir, on va savoir que là, on est en train de payer, on va aller voir nos euros couler. Mais le compteur électrique, je branche un appareil qui consomme beaucoup, je laisse le chauffage allumé, rien ne dit « Attention, attention, tu vas payer 100 euros de plus l'année prochaine, ou plus. » Donc je voulais voir un peu comment je consommais l'énergie et pourquoi. Donc la première étape, se connecter au compteur électrique, donc avec un Raspberry Pi, une carte mémoire, un dongle Wi-Fi, un breadboard, des câbles, un autocoupleur et des résistances. Le coût du montage est d'environ 70 euros, sachant que la moitié revient déjà au Raspberry Pi. Donc j'ai commandé tout ça, je l'ai relié à mon compteur électrique, dans une bonne facture, juste à côté. Et c'est vrai que je me suis connecté au Raspberry Pi. J'ai été dans mon terminal, j'ai mis une commande pour pouvoir voir s'il marchait. Je mets le fil et là tout d'un coup, je vois plein de caractères qui défilent. Donc voilà, j'ai assez content, on comprend pas trop ce qui se passe, mais il y a des choses qui arrivent. Là, du coup ? Oui. Le compteur électrique commence à discuter avec moi, on n'a pas le même langage, mais il y a quelque chose déjà. Donc là, première étape, validée. Donc dans les données qu'on reçoit, vous voyez bien le code? Donc on a différentes données. On va avoir le compteur d'heure creuse, d'heure pleine, la période tarifaire en cours, la puissance instantanée et l'intensité instantanée aussi. Du coup, il y a d'autres données aussi, mais les plus importantes sont celles-là. Donc, dans la deuxième étape, fallait commencer à stocker les données et à pouvoir avoir une visualisation, voir un petit peu ce que je consommais au cours de la journée, au cours de la semaine. Donc, j'ai choisi le site ThingSpeak qui permet de stocker des données, brandé The Internet of Things. On y publie juste des données via un service REST. Et puis on peut faire des graphes assez rapidement. Donc un soir, en un quart d'heure, j'ai rajouté ça et puis j'ai commencé à stocker des données que j'allais pouvoir analyser par la suite. Donc j'ai sur la gauche, on voit le graphe sur une journée de l'indice des heures creuses, heures pleines, et à droite, l'évolution de la puissance et de l'intensité dans la journée. Donc voilà, là,
j'ai des données, je commence à avoir une petite représentation assez simple, et surtout je stocke des informations. J'ai fait ça milieu d'année 2014, donc là j'ai 835 000 mesures de consommation, une toutes les 15 secondes. C'est la restriction de ThingSpeak, sinon je pourrais en avoir toutes les secondes. Mais là j'ai pour 7 mois de données que je pourrais analyser. J'ai pu, en moins d'une semaine, en montrant les premiers graphes de ThingSpeak à des collègues, à Dani, je voyais qu'il y avait des pics régulièrement, toutes les 3-4 heures dans la journée, de consommation. Je passais de quasiment rien à 3-4 kW. Donc j'ai commencé à me poser des questions, il n'y a personne chez moi. Donc j'ai réfléchi, il n'y a pas beaucoup d'appareils qui pouvaient consommer. Donc j'ai commencé à soupçonner mon chauffe-eau. Et en vérifiant le montage Earthcruiser plein, je me suis aperçu qui ne marchait pas, qui consommait toute la journée. Donc là, j'ai regardé comment ça aurait dû être branché. J'ai acheté ce qu'il me fallait, du câble électrique, des pinces, etc. J'ai tout coupé, j'ai refait le montage, et maintenant, mon chauffe-eau... non, ça marche. J'ai fait le billet, c'est bon. Je me lave encore, c'est nickel. J'ai pu commencer à faire des économies. Donc, mais c'est bien joli. Là, bon, j'ai les données qui sont stockées. C'est bien. J'ai des graphes assez simples, mais je voulais faire plus. Donc, en troisième étape, au lieu d'utiliser ThingSpeak, j'allais reprendre les données en main et commencer une autre architecture sur mon serveur. Donc, je passe par ActiveMQ pour envoyer la consommation. Et ensuite, j'ai développé différents composants. Donc, il y a un composant que j'ai appelé le MongoDB Subscriber qui va écouter le sujet d'ActiveMQ pour recevoir les données en temps réel et le stocker dans MongoDB. Et j'ai rajouté un composant, le Teleinfo Dashboard, qui lui récupère les données en live, récupère les données de MongoDB et va afficher tout ça dans une interface web unifiée. Donc, ces différents composants sont sur mon serveur dans le cloud et chacun des composants, que ce soit ActiveMQ, MongoDB, le dashboard ou le subscriber, sont des conteneurs Docker. D'ailleurs, je les ai mis sur le Docker Hub, donc vous pourrez les récupérer et faire la même chose chez vous. Le dashboard, ici, sur la gauche, il y a des informations en live. Et à droite, il y a les informations qui ont été persistées dans MongoDB. Donc là, c'est en cours. J'ai les fonctionnalités semblables à ce que j'avais sur ThingSpeak, mais je veux rajouter encore d'autres choses, comme pouvoir dire je veux avoir des graphes de consommation par jour, par semaine, par mois, pouvoir comparer la consommation d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre. Pouvoir aussi monitorer tous les services, voir s'ils tiennent, s'il y en a pas un qui lâche et qu'il faudrait avancer. Pendant mon expérimentation, je me suis aussi aperçu de temps en temps, soit à cause de problèmes de Wi-Fi, de réseau, il y avait le Raspberry Pi qui n'envoyait plus de données, qui plantait. Donc je veux pouvoir interpoler les données pour pouvoir, dans les graphes, ne pas avoir des trous et tant que coup, un pic énorme de consommation parce que j'ai eu un saut d'index de consommation. Je voudrais aussi pouvoir afficher le coût. Donc, j'ai le tarif heure creuse, heure pleine, pouvoir dire tel jour, ça a coûté tant. Depuis le début de l'année, j'en suis à tant. Je pourrais même dire par rapport à l'année précédente, j'ai moins consommé, j'ai plus consommé, ça me coûte moins cher. Je pourrais même, avant que DF même me dise tiens, payez ça l'année prochaine, je pourrais leur dire oui, non, mais. Je sais, je peux même vous le dire. Là, actuellement, les différents conteneurs Docker, je les lance manuellement. Donc, voir utiliser Docker Compose qui a été annoncé, ou Fig, ou d'autres solutions pour pouvoir lancer l'application en une commande, que ça puisse démarrer toutes les dépendances en un seul coup. Et aussi récemment, j'ai découvert Spark Photon, qui est un microcontrôleur qui est de la taille d'une petite boîte d'allumettes, qui a une puce Wi-Fi intégrée,
avec 16 entrées-sorties. Donc je pourrais, à la place du Raspberry Pi, au lieu d'avoir un mini-ordinateur sur mon compteur, bah, j'aurai ce microcontrôleur-là qui publiera directement les données. Et en plus, ça coûte 15 euros. Donc je fais déjà 20 euros d'économie par rapport au Raspberry Pi. Et je pourrais en mettre à différents endroits pour aussi rajouter la température, pour pouvoir avoir une granularité plus fine, pour pouvoir monitorer la consommation du frigo, la consommation du chauffe-eau, des chauffages, pour avoir quelque chose de plus fin. Donc, c'est vrai qu'à la base, j'ai fait ça surtout pour m'amuser. Juste, j'avais la possibilité de jouer avec une compteur électrique, on m'avait donné envie de faire, donc je me suis lancé là-dedans. C'est vrai que mes amis me demandaient pourquoi, ils me rajoutaient, alors t'es vraiment geek. Et je savais même moi pas trop pourquoi. Mais j'ai pu m'apercevoir assez rapidement que je pouvais justement faire des économies. Je me suis aperçu que ce chauffe-eau qui pour moi tournait que la nuit, tournait aussi le jour et plombait un peu ma facture. On peut aussi imaginer, en ayant une granularité plus fine et en mesurant la consommation du frigo, pouvoir se dire, un frigo, normalement, ça consomme très peu la plupart du temps, c'est quasiment en veille, et ça va se réveiller pour pouvoir maintenir la température du frigo. Donc il y a des cycles comme ça, faible consommation, un petit pic de consommation pendant un certain temps, et après ça se remet en veille. Si on s'aperçoit que ces cycles-là sont plus fréquents et plus longs, déjà le frigo va commencer à nous coûter plus cher, et au bout d'un moment on peut se dire, le frigo il me coûte beaucoup plus cher que d'habitude, il marche toujours, mais si je passais dans un frigo plus récent, il consommerait moins et je pourrais économiser de l'argent. Ou aussi, on peut se dire, quand ça va être en marche très très souvent, c'est peut-être qu'il va tomber en panne. Donc plutôt que d'avoir un frigo qui lâche un dimanche et devoir courir, essayer d'aller chez des amis, les parents pour pouvoir mettre toute sa nourriture au frais, notre système pourrait dire, attention là, ça sent pas bon, le frigo risque de lâcher. Oui, sans les sortir par très rapidement. Aussi plus tard, on aura sûrement de plus en plus de voitures électriques. Donc on rentre chez nous le soir, on branche la voiture, on fait à manger, il y a le chauffage, il y a les plaques, il y a le four. Donc il y a tout le coup un pic de consommation et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'appareils en même temps, plus la voiture. Là, on va devoir prendre un contrat chez EDF qui va être plus important pour pouvoir avoir tous ces appareils-là qui sont branchés en même temps. Sachant que ce qui est bête, c'est que tout le reste de la journée, on n'a quasiment pas de consommation, et pendant la nuit, il n'y a rien qui consomme. Donc on pourrait avoir un système qui dit « Attention, c'est le dîner, je laisse la priorité au four, aux plaques, et tout ça. » Par contre, une ou deux heures plus tard, il n'y a plus de consommation, j'ai assez pour brancher la voiture pendant 4, 5, 6 heures, je ne sais pas, et hop, j'active la charge de la voiture. Donc on peut comme ça lisser la consommation, avoir un forfait qui nous coûtera moins cher chez notre prestataire d'électricité, et lisser la consommation. Donc on entend de plus en plus parler d'Internet of Things, plein d'appareils qui sont connectés, qui collectent des données, que ce soit avec des bracelets, avec un appareil qui mesure la consommation électrique, il y en a plein d'autres. C'est vrai que indépendamment, individuellement, les données ne sont pas forcément très utiles, mais en agrégeant ces données-là, on peut faire des systèmes qui vont être très intelligents. On va pouvoir mettre en relation des informations. On va pouvoir dire, j'ai une fontaine dans mon jardin, j'aime bien la voir s'allumer et tout, mais je m'aperçois qu'il y a un autre appareil qui me dit, il y a un fort vent dehors, donc je vais peut-être éviter de mettre en marche ma fontaine pour la vider, pour arroser le jardin, ça serait bête. Donc, c'est vrai que individuellement, c'est pas forcément utile d'avoir ces données, mais c'est vrai qu'en en collectant plein et en les mettant en relation, on peut faire des systèmes très intelligents. Donc, c'est pas très difficile à faire. Se replonger dans un petit peu d'électricité, c'était bizarre au début, mais ça revient très très vite. Le montage, je l'ai fait en même pas un quart d'heure, 20 minutes. En suivant. Donc je vous encourage à le faire chez vous, à essayer aussi. C'est très sympa et puis on apprend pas mal de choses. Donc voici les différents liens pour le code source, pour le tutoriel pour connecter le Raspberry Pi au compteur électrique et pour les images Docker. Donc maintenant, si vous avez des questions. Oui.